Bien que Kieno, Kiambote Kieno, bonjour, bonjour, parlons nos langues, revalorisons nos langues, soyons fiers de nos langues, soyons fiers de nos cultures. Je reviens pour la suite de ma vidéo que j'ai faite dernièrement sur le choix des cultures, le choix des cultures et l'étude du sol. La suite, c'est la formation et l'accompagnement adéquat. Oui, la formation et l'accompagnement adéquat. Tu sais, tu connais, tu as fait l'étude de ton sol, tu as choisi ton compte, quel type d'agriculture tu vas faire, donc où est-ce que tu vas investir. C'est maintenant le moment de pouvoir démarrer la machine. Mais avant, il faut passer par la case formation. Oui, il faut passer par la case formation. Il faut former tes collaborateurs. Tes collaborateurs que tu as choisis plus haut pour pouvoir t'accompagner dans ce projet-là. Il faut les mettre sur le banc de l'école. Pour étudier en long et en large la culture sur laquelle tu choisis de pouvoir t'engager. Le type d'agriculture sur lequel tu veux t'engager. Si c'est une agriculture que tout le monde fait, l'agriculture conventionnelle, où on est obligé d'acheter plein de produits chimiques, tout le monde sait faire. Mais si tu choisis comme moi de faire une agriculture saine, qui respecte l'environnement, là où tu dois utiliser des fumiers, là où tu dois faire des composts, là où tu dois faire plein de choses en accord avec, en harmonie avec la nature et l'environnement qui t'entoure, là, il faut que tes collaborateurs soient formés. Ne lésine pas sur les moyens, mets les moyens en jeu, forme-les parce que c'est un investissement qui vaut de l'or, qui va t'épargner les pleurs, les maux de tête dans l'avenir. En deuxième, je vais te dire ceci. Pour ton exploitation que tu viens de commencer, si tu as commencé par une parcelle, par deux, par un demi-hectare comme moi, ou par un hectare, fais-toi accompagner de bout en bout par un ingénieur, par un expert, par quelqu'un qui connaît. Qui ne connaît pas seulement sur le papier, mais qui connaît que toi-même tu as vu que non, voilà le travail que le monsieur a déjà fait. Tu prends cette personne-là, tu l'ajoutes à côté de toi. Il va t'accompagner depuis la mise en valeur du terrain jusqu'à la récolte. Toute l'intelligence, toute la sagesse, toutes les choses, les bonnes pratiques que cette personne va te donner, ça va enrichir tes collaborateurs, ça va t'enrichir toi-même ensuite. Vous allez remplir votre cahier de charges minutieusement sur chaque étape indispensable. Et demain, quand il te faudra reproduire cette expérience sur une autre surface, tout sera simple. Toi, plus qu'à reproduire. Ça coûte de l'argent un ingénieur, ça coûte de l'argent former les collaborateurs, mais c'est un investissement qui vaut le coup. Parce que comme on le dit souvent, moins cher coûte cher. Tu investis aujourd'hui, ça va te servir à vie. Tant que Dieu te prêtera vie, tant que ton projet sera là, cet investissement, tu l'auras mis de l'argent dessus une fois pour toutes. Si tu as choisi de mettre en place une agriculture saine, une agriculture biologique, une agriculture comme telle que nos parents, nos aïeux le pratiquaient à l'époque, mais en voulant rentabiliser un peu plus avec les moyens modernes, et que autour de toi, là où tu as choisi d'implanter ton exploitation, il n'y a personne qui sait le faire, tu es en Europe.
tu as l'avantage d'aller rencontrer les associations qui sont ici, des agriculteurs ici en Europe qui font déjà ce genre de choses dans la permaculture, dans l'agriculture biologique, pour aller chercher les échanges d'informations. On peut tout dire sur le blanc, ce qui est sûr, soyons clairs entre nous, il partage l'information plus que nous-mêmes. Tu vas aller lui demander que voilà, j'ai envie de mettre ce que tu fais là, c'est bien, j'ai envie d'implanter ça dans mon pays, avec tel type de sol, avec tel type de climat, qu'est-ce que je peux faire? Ils vont te donner des bribes. Même si la personne que tu vas aller voir ne va pas te donner, tu vas aller butiner un peu partout, prendre des informations à gauche, à droite, et tu les donnes à ton collaborateur, tu les communiques à ton ingénieur, et ils vont l'adapter par rapport à leur environnement pour que ça donne quelque chose de bien. N'oublie pas, ce que toi tu ne sais pas faire, quelqu'un d'autre sait le faire. On est dans un monde où la mondialisation, les choses ont tellement évolué que tu peux communiquer avec les gens sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, sur Skype, sur Internet, alors c'est pas possible. Allons chercher les informations. Quand tu regardes, par exemple, sur YouTube, tu trouves qu'il y a quelqu'un qui est en train de mettre en place quelque chose de bien. Moi, personnellement, j'ai regardé au Bénin, au Sénégal. Il y a des gens qui font l'agriculture biologique. Ils te montrent comment est-ce qu'ils font les composts. Contacte ces personnes sur WhatsApp. Contacte-les sur tous les moyens possibles. Échangeons-nous des techniques. Échangeons-nous des informations qui, demain, vont nourrir nos actions aujourd'hui et vont faire du bien à Mama Africa. Je m'arrête là pour cette vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté une fois de plus jusqu'à ce point. Mets les commentaires, ajoute ce que je n'ai pas dit, pose des questions, faisons des échanges, donnez les propositions, voilà. S'il y a quelque chose que j'ai dit brièvement que toi tu peux aller en profondeur, dis-le nous. S'il y a quelque chose que tu peux donner vraiment, l'objectif, c'est d'ajouter de l'eau dans ce moulin là. Apporter ton grain de sable pour que les entreprises des uns et des autres puissent aller de l'avant. J'ai pas le monopole de la connaissance, mais je partage ce que j'ai fait. Mes erreurs, mes échecs et tout, je vous le dis sur cette chaîne. Voilà. Donc, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, je l'ai pratiqué sur mon exploitation qui se trouve au Congo-Brazzaville, à l'Inzolo. Je vous dis au revoir. La suite sur ma prochaine vidéo sur cette chaîne. Abonnez-vous pour avoir la suite des actions à mener. Au revoir. Congo, 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 Congo,